Salut à tous, ici Soupe533 pour l'ouverture de la troisième case du calendrier de l'Avent Lego Star Wars. Nous allons donc savoir ce qu'il y a derrière cette case. Nous avons droit à de la construction et il s'agit du canon AV7 qui est un canon qu'on a vu surtout dans la série Clone Wars. Donc c'est parti, je regarde bien un coup la construction. Et surtout le sens. Voilà. Le support. Le sachet qui avance, mais ça c'est parce que j'ai mis le ventilateur derrière parce qu'il fait extrêmement chaud ici. N'empêche, c'est un peu bizarre d'utiliser quand même ces espèces de poulies pour faire les pieds du canon quand même. C'est assez particulier, mais au moins on a en grande quantité si jamais on a besoin. Ensuite, on va faire la partie au-dessus, donc il faut mettre la partie blanche. Je suppose que c'est pour représenter un clone trooper qui est aux commandes du canon. Ça me paraît très logique. Les parties rouges et jaunes, donc ça a été vu dans le modèle grand format qui est d'ailleurs sorti cette année. Et la partie du canon, donc voilà. Et ensuite, alors attends, est-ce que c'est au milieu ou bien comme... Ouais, non, je pense que c'est comme ça. Mais... Je sais pas si on peut bien mettre au milieu aussi. Attends, je vais essayer. Romain, quand tu mets au milieu aussi, ça passe, hein. Donc je ne sais pas s'il faut bien mettre au centre, comme ceci, ou bien comme ceci. Parce que c'est vrai que sur l'image, c'est un peu ambigu, mais bon, je pense que c'est plutôt qu'il faut bien mettre au centre. Ça me paraîtrait un peu plus logique quand même. Donc voilà, bah vous obtenez un mini canon et quelques petites pièces en rade. Il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Voilà ce que nous avons eu. Et donc, la troisième case, bah, nous avons le canon AV7 vu dans Clone War. Donc, on a eu la version grand format cette année pour la première vague. Et bah, là, cette fois-ci, on a la version miniature pour le calendrier de l'Avent. Donc, bah, voilà, c'est tout ce qu'il y a à rajouter. Et quant à moi, bah, je vous retrouve pour l'ouverture de la quatrième case. Allez, salut!